le parcours de toxicomanie, dépendance au crack, moins une vingtaine, 25 années à peu près. Extra-Uranus, ici, grâce au groupe SOS à l'habitat inclusif, ça m'aide à m'en sortir et à me sentir homme, être sociabilisé, être dans la société, et puis voilà. Nous accompagnons des personnes qui ont des troubles psychiques sur différents dispositifs. Donc on a le dispositif du SAMS, l'habitat inclusif, l'équipe mobile de soutien psychique et d'orientation. Nous sommes innovants puisque on peut vraiment passer d'un dispositif à un autre pour vraiment accompagner au mieux l'usager et s'adapter à ses besoins et à son désir. L'accompagnement au SAMS, c'est un accompagnement médico-social global. Et mon rôle, ça va être de coordonner le projet de ces personnes-là au sein de la plateforme en lien avec mes collègues. Et ensemble, on va proposer un accompagnement sur tous ces champs de la vie quotidienne. Je suis éducatrice spécialisée et donc je suis responsable de l'habitat inclusif. C'est accéder certes à un logement, mais c'est aussi bénéficier en fait d'un accompagnement social, éducatif, paramédical également, en fait pour le maintien au logement. On a les bailleurs sociaux, donc on travaille avec eux. Je suis référente de l'équipe de soutien psychique et d'orientation, où on accompagne des personnes qui sont sorties ou qui n'ont jamais fait partie d'un parcours de soins. Le but, c'est d'accompagner pendant 3 à 6 mois ces personnes-là pour retourner vers le soin de manière adaptée en fonction des besoins de chacun. On essaye de garder au maximum le lien avec les personnes de manière à ce qu'elles ne se retrouvent pas à nouveau dans une solitude ou dans des situations complexes. Et effectivement, derrière, on essaye de trouver les meilleures solutions pour pallier justement les manques du territoire. Je m'appelle Nathan. Nathan Dupré. Mon école, c'est à Quincy Voisin. J'ai plein de copains et je suis autiste. L'histoire de Nathan et de son handicap, en fait, ça a commencé quand il était déjà tout petit, quand il est né. Bon, les premiers signes, ça a été qu'il faisait beaucoup de colère, il pleurait beaucoup, se tapait la tête contre le sol. En fait, la neuropédiatre nous a parlé tout de suite de troubles du spectre autistique. L'orientation de Lumi se fait depuis septembre 2019. Il nous aide à coordonner les intervenants, puis aussi l'orientation pour Nathan. Donc Lumi coordonne en fait les différentes prises en charge autour de Nathan. On a le PCPE, le CESAD et le pédopsychiatre qui sont beaucoup autour de Nathan. Donc en fait la coordination, ça consiste à ce qu'ils se mettent en lien avec les différents professionnels et qu'ils centralisent vraiment les informations. Lumi nous aide également pour maintenir Nathan en ULIS, pour éviter la déscolarisation. C'est très important que Nathan n'ait pas de rupture en termes de prise en charge. On est l'unité mobile interdépartementale de l'Est parisien. On est une équipe mobile spécialisée dans la prise en charge des troubles du comportement chez les personnes autistes. La singularité des personnes que l'on accompagne à Lumi, c'est que c'est des profils assez atypiques qui nécessitent des besoins et des réponses adaptées et surtout en mettant en place des parcours vraiment sur mesure. Dans le cadre de l'accompagnement de Nathan, la particularité, c'est la mise en place d'un maillage entre le sanitaire et le médico-social. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Généralement, les retours des familles sont assez positifs. Elles soulignent particulièrement la proximité et le soutien qu'on leur apporte.